وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Conseillez le bien et déconseillez le blâmable et patientez sur le chemin des prophètes en conseillant le bien et déconseillez le blâmable, ça fait partie des bonnes actions et ça fait partie des meilleures bonnes actions. D'ailleurs, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit aux compagnons un jour, vous lisez tous ce verset, il dit, oh vous qui avez cru, occupez-vous de vos propres personnes, ne vous feront pas de mal ceux qui seront égarés si vous vous êtes bien guidés. Et après il leur a dit, mais pourtant j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et il a énoncé donc l'importance et la gravité, le châtiment que subissent les gens s'ils ne conseillent pas le bien, ils ne déconseillent pas le blâmable. Donc, oui, tu t'occupes de toi quand tu as fait ton devoir. Quand tu as conseillé le bien, tu as déconseillé le blâmable et après les gens ne sont pas guidés. Après cela, ne te feront pas du mal ceux qui te sont égarés si vous, vous êtes bien guidés. Il a voulu bien expliquer que ce verset ne voulait pas dire qu'on n'est pas responsable de conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Non. Wa tawassaw bil haqq. At-tawasi, c'est le fait de s'enjoindre. Le fait de s'enjoindre, de se conseiller. On a dit tout à l'heure, le sahaba, quand ils se quittaient, ils lisaient ce verset, ils lisaient cette sourate quand ils étaient en assise. Et que Cheikh l'Albani, il a dit pourquoi ils lisaient cette sourate. Car pour eux, ils voyaient qu'une des plus grandes conditions de la fraternité, c'est al-nasiha, le bon conseil, la loyauté. Ton ami, c'est celui qui te dit la vérité, ce n'est pas celui qui dit toujours que ce que tu dis est vrai. Celui qui te veut ton bien, il te dit la vérité. Celui qui veut juste profiter de toi ou alors votre amitié, elle n'est pas sur, basée sur l'islam, il va te dire ce que tu veux entendre, ce qui te plaît. Toujours il va dire oui, t'as raison. T'as raison, tu dis le faux, t'as raison. Tu dis le vrai, t'as raison. T'es juste, t'as raison. T'es injuste, tu as raison. Ça c'est la base des hizbiyin, des sectaires. Qui sont là, ils se défendent les uns les autres dans le vrai ou dans le faux. Ils se sont mis d'accord pour se défendre. Dans le vrai ou dans le faux, ils sont là, ils se défendent les uns les autres. Peu importe. Et ça, ce n'est pas une vraie amitié. Ce n'est pas la fraternité en islam. Ce n'est pas la fraternité en Allah. La fraternité en Allah, elle est mabniya ala nasiha, à la loyauté. Aimer le bien pour ton frère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous n'aimez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même comme bien. Tu aimes pour toi d'être dans la vérité. Comment tu peux aimer pour ton frère qui soit dans le faux? Tu aimes pour toi, te repentir à Allah, revenir quand tu fais des erreurs. Comment tu peux aimer pour ton frère qu'il reste sur son erreur? Tu dois aimer pour toi et pour lui, revenir dans la vérité. La vérité, elle est plus chère que tout. Et la vérité, elle mérite plus d'être suivie. C'est ça, se conseiller la vérité. C'est ça la fraternité, construite sur la nasiha, sur la loyauté, sur le bon conseil. Barakallahu fikoum. Et c'est ça, un bon ami. Quand tu es dans le vrai, il t'aide, il t'encourage. Quand tu faiblis, il te renforce. Quand tu te trompes, il te rappelle. C'est ça un vrai ami. Et quelqu'un qui est là juste pour t'accompagner dans le vrai, dans le faux, pour faire tes choses de dunya ou même les choses de din, ou le haram, ou le halal, ou la bid'a, ou la sunna. Ça, c'est pas un ami. Ça, c'est un compagnon de l'enfer. Nas'Allah salam wa l'afia. Sauf si Allah nous couvre de sa miséricorde et de sa grâce. Subhanahu wa ta'ala. Naam.